Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On va partir sur une petite série de tutos sur Reason 12 Studio puisqu'on m'a demandé à plusieurs reprises comment faire du sidechain dans Reason. Bien entendu, j'ai décidé, pour pas que la vidéo soit trop longue, de couper en plusieurs épisodes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir comment faire du sidechain avec le compresseur de table. La prochaine vidéo, ça sera avec un compresseur externe, que ça soit un rack extension ou un VST. Et ensuite, avec un equalizer en faisant du sidechain de fréquence. Et pour finir, avec un VST type envelope shaper comme Shaperbox. Bref, comme ça, à la fin des épisodes, vous aurez vu toutes les façons de faire du sidechain dans Reason. Bien sûr, ce qui va marcher dans Reason va fonctionner dans les autres DAW, mais je ferai un peu le même style de vidéo pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café pour le travail accompli, il y a un lien PayPal. Mais le plus important est de vous abonner et de commenter. C'est important pour le référencement avec le petit pouce vers le haut. Merci. Donc là, on se retrouve dans une session de Reason Studio 12, dans laquelle j'ai fait une petite composition, mais c'est vraiment tout petit, hein, c'est une boucle que je viens de commencer. Si on écoute la boucle, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Et donc là, pour commencer, on va déjà voir le sidechain entre le kick et la basse à partir du compresseur de piste. Donc comme vous le savez, dans Reason, si je fais apparaître l'ensemble, on va avoir notre console qui est émulée à partir d'une SSL 9000K. Dessus, on va avoir les equalizers et bien entendu, la section compresseur et gate. Le compresseur se trouve directement ici et à partir de ce compresseur, on va pouvoir créer des sidechains, par exemple entre le kick et la basse. Donc là, si je mets mon kick et ma basse en solo, ça va nous donner directement ceci. Là, le sidechain est déjà fait, puisqu'ici, on a le petit logo K qui est allumé. J'ai fait mon réglage, et à chaque fois que mon kick frappe ici, ben, je vais avoir le vu-mètre qui va monter directement sur ma basse. Donc ma basse, c'est la piste en Bordeaux, et à chaque fois que le kick va frapper, vous allez voir le vu-mètre qui va monter. Donc ça, comment on fait ça? Il n'y a rien de plus simple quand on le sait. Donc déjà, on va se rendre directement sur l'instrument qui m'a servi à faire le kick. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé un Mimic en format multi-slot pour pouvoir faire mes drums. Donc si je mets les drums en solo, ça me donne ceci. Donc ça représente ces deux pistes-là. Ensuite, ici, j'ai rassemblé les deux pistes dans un bus pour pouvoir traiter l'ensemble des drums. Et là, j'ai créé un bus parallèle pour pouvoir faire une compression parallèle. Donc dans Reason, pour pouvoir créer un bus parallèle, une fois que vous avez fait votre bus de drums, vous cliquez sur le bus
Et ici, vous avez créé canal parallèle. Donc vous cliquez dessus et ça va vous rajouter une piste qui va être plus petite que les autres, comme vous voyez, qui va être parallèle 1 drum. Et après, dessus, j'ai fait mon réglage de compression. Donc si j'écoute la piste de compression parallèle, ça va me donner ceci. Après, c'est à vous de doser à quel point vous souhaitez compresser le son ou pas. Mais ça va vous permettre de mélanger le son compressé avec le son normal de votre bus pour donner plus d'impact à vos drums. Puisque ça aussi, on me l'avait posé comme question. Donc voilà, j'y ai répondu. Donc là, ce qui fait qu'en fait, la compression est faite directement avec les réglages ici du compresseur. J'ai mis un release rapide, un threshold vraiment bas pour pouvoir compresser le son, et le ratio aussi est très élevé pour avoir un taux de compression relativement fort. Ce qui fait que là, si on regarde le vue-mètre de sortie ici, si je rajoute mon bus normal, vous allez voir que les drums vont prendre de l'ampleur sans pour cela aller taper dans le rouge. Maintenant que c'est dit, on va voir le cas du sidechain. Donc là, pour des soucis de facilité, les drums ont été faits à partir du sampler Mimic et j'ai juste sorti le kick pour avoir mon kick tout seul sur une piste. Donc là, je fais tabulation pour retourner le rack et comme vous pouvez voir, j'ai bien ma sortie 1 où il y a mon kick qui va à la piste 1. Alors ici, j'ai mis un splitter audio tout simplement parce que en prenant la sortie parallèle de mon kick, je rentre dans le splitter. Et avec le signal du kick, je vais à ma basse, ici dans la section sidechain input dynamique, mais je vais aussi, hop, si on suit les câbles verts ici, je vais à mon bus général de mélodie pour faire un sidechain sur les mélodies pour que mon kick soit bien en valeur, que ça soit par rapport à la basse comme par rapport aux mélodies. Bien sûr, le réglage est différent. Maintenant, une fois que vous avez extrait votre kick, vous l'avez mis sur une piste solo. Vous prenez le parallèle, si vous avez qu'un seul endroit où vous allez faire du sidechain, vous pouvez l'emmener directement sur l'entrée dynamique ici, sidechain input, ou alors si vous voulez sidechainer plusieurs éléments comme moi, vous mettez un splitter, vous envoyez la sortie parallèle directement sur le splitter et vous sortez du splitter et vous descendez hop jusqu'à votre sidechain input. Dès que vous allez le câbler, le petit quai va automatiquement s'allumer. Une fois que ça c'est fait, les câblages sont prêts. Donc que ça soit pour la basse, comme pour les mélodies, vous voyez, le petit quai est allumé. Et si je remets ma console, ici, le quai est allumé et sur la basse, le quai est allumé. On va déjà se concentrer sur la basse. Donc la basse, je l'ai faite avec le sampler Mimic qui se trouve ici, avec un sample de 808. Donc si on écoute la basse en solo, ça nous donne ceci. Et ce que je vais faire, je vais couper le sidechain. Je vais mettre mon M multi-analyzer. Donc c'est un VST qui vient de chez Melda Productions. Celui-ci est payant et en fait, vous pouvez mettre les analyseurs sur différentes pistes
Et ensuite, à partir de la même interface, vous allez pouvoir observer toutes les courbes. Donc là, on va déjà regarder la 808 et j'ai coupé le sidechain. Donc ça me donne ceci. Et si je regarde ma forme d'onde, donc là, j'ai loudness et wave. On a la forme d'onde de la 808. D'accord. Maintenant, si par-dessus, je rajoute mon kick, on va voir la superposition qu'il y a entre le kick et la 808. J'active l'afficheur du kick et voilà. Donc comme on peut voir à l'écran, le kick et la 808 sont bien superposés partout. Maintenant, si je mets le compresseur en marche, vous allez voir que la forme d'onde rouge va diminuer à chaque fois que le kick va frapper. Vous voyez, là, elle était presque complète. Là maintenant, ici, elle est plus petite. Ici, elle est plus petite. Je recoupe la 808, le compresseur de 808. Et on voit que la 808 couvre totalement le kick. Si je le remets, vous voyez, là il a diminué, là il a diminué, là il a diminué. Après, je pourrais me mettre aussi en fast attack pour qu'il réagisse encore plus vite. Et donc là, comme vous pouvez voir, la forme d'onde de la 808 diminue d'autant plus. Après, je pourrais augmenter le threshold. Et là, maintenant, ça tape dans le rouge. Ensuite, c'est à vous de doser. Là, il y a quasiment... Là, il n'y a plus de compression. Je recommence à compresser. Donc là, 100. Avec. Alors bien sûr, mettre le threshold à fond, ça va baisser plus le son de la 808, mais on va entendre légèrement l'effet de pompage. Après, pareil pour le ratio. Si le ratio n'est pas assez puissant, bah en fait, on n'a pas de compression. Donc ça, vous trouvez le juste milieu. Donc ça supprime pas totalement la basse, mais juste ça baisse le volume de la basse pour pouvoir remonter. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment simple à faire. Vous prenez directement votre kick. Donc moi, il est ici. Je prends la sortie parallèle, je l'envoie sur le splitter. Et ensuite, de mon splitter, je vais aller directement sur l'entrée sidechain ici.
de ma basse et ensuite j'allume mon compresseur, je mets un release rapide, une attaque rapide pour que ça soit très réactif dès que le kick frappe. Le compresseur réagit, dès qu'il finit de frapper, le compresseur se relâche. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à régler votre ratio et votre threshold pour avoir l'effet que vous souhaitez. Si je recoupe le compresseur de 808, ben vous voyez, on est bien, le kick est complètement couvert par la 808. Et si on regarde le spectrogramme, là le kick il est en bleu, la 808 est en rouge. Après, sur cet analyseur, c'est ça qui est bien, on a une autre fonction qui s'appelle collision et ça va vous montrer en fait les endroits où il y a, en bas là vous allez voir apparaître, ce qui reste. Alors, si je mets le compresseur sur off et que je lance la lecture, en bleu j'ai mon kick, en rouge j'ai ma 808 et le rouge du bas c'est le conflit entre les deux. Alors le but, c'est pas de complètement l'effacer, mais c'est de le réduire. Et on voit la réduction à partir du moment où on observe la forme d'onde. Après, j'ai fait exactement la même chose entre mon kick et les mélodies, mais en un peu moins prononcé. Donc là, si je vais sur le rack mélodie, je fais apparaître ça. Je garde les mélodies et le kick. Si je coupe le kick, vu que là on est sur un compresseur de table, le signal va arriver quand même. Donc si je retire le solo, on va avoir les petites diminutions, comme ici, comme ici. Comme ici. Ici, bref, à chaque fois, vous avez des petites diminutions de volume qui vont permettre de mettre en valeur le kick. Là, si j'enlève le kick, hop, vous voyez ici, réduction de volume, réduction de volume, réduction de volume. Maintenant, si je vais directement sur ma partie Bassmaster, ici j'ai mon spectrogramme et je peux mettre par exemple le kick avec l'ensemble du son. Et si je retire le kick, j'ai mes mélodies.
808. Alors après, la différence qu'on a entre l'A808 et la courbe verte du master, c'est tout simplement dû au compresseur qui a été mis ici directement sur le bus master, donc qui va compresser légèrement le son pour pouvoir gérer les transitoires du son. Si je coupe celui-ci et si je mets en bypass celui-ci, là on monte bien plus haut, on monte beaucoup plus haut. Si je remets en fonction ce compresseur-là et celui-ci, là ça redescend. Donc après, il faut faire en sorte de contrôler les pics, mais de ne pas trop les écraser non plus quand on est dans notre phase de mixage. Donc en gros, voilà, pour pouvoir faire votre sidechain à partir du compresseur de piste, il vous suffit tout simplement, si on reprend le kick, de prendre la sortie parallèle de votre kick. Si vous voulez l'envoyer sur plusieurs éléments, vous passez par un splitter. Donc là, je sors de ma sortie, je rentre dans le splitter, et ensuite je sors du splitter, et je vais directement à l'entrée Dynamic Sidechain Input de la console SSL sur la piste de 808. Ensuite, j'active le compresseur, je mets mon Fast Attack, un release relativement rapide, et enfin je règle mon ratio et mon threshold pour que le vue-mètre ici fonctionne correctement, ce qui va donner là, si je retire le kick en bleu, voilà, tac, tac, tac. Là, pareil, je retire le kick ici, ici, ici et ici. Et en même temps, faut bien noter que lorsqu'on prend le spectrogramme en entier du son, c'est pas pour ça qu'on n'a plus de basse du tout. Et en même temps, sur notre console, si on regarde les vue-mètres du kick et de la 808, on se rend compte qu'à chaque fois que le kick frappe, la 808 redescend légèrement. Vous voyez? Donc voilà pour cette première vidéo. Dans la prochaine, on verra directement comment faire le sidechain avec un compresseur externe à celui de la table, c'est-à-dire que là, on placera dans l'insert de piste. Donc j'espère que j'aurai été clair dans les explications. Cette première façon de faire du sidechain dans Reason est relativement simple à mettre en œuvre, puisqu'il suffit de prendre le signal de la sortie parallèle du kick et de l'envoyer sur l'entrée sidechain de la table de mixage, puis de régler le compresseur pour qu'il soit réactif. Donc là, on aura vu une première façon de faire. Dans le prochain épisode, on verra comment le faire avec un compresseur en rack extension ou VST.
En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!